Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance d'aujourd'hui. Je vous propose de voir ensemble comment prononcer les lettres O, N. Quand vous avez les lettres O, N, suivez d'une consonne, vous prononcez ON. Exemple, tendre, mouton, bonbon, tendre, mouton, bonbon. Vous pouvez prendre ça comme une règle. Donc mes enfants, essayez de prononcer ce phonème. On. 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 Maintenant, on va lire des syllabes contenant ce phonème. Donc, essayez de lire avec moi. Mon. Lent. Pont. Don. Vent. Son. Rond, non, bon, ton. Mon, long, pont, don, vent, son, rond, non, bon, ton. Maintenant, on va lire une phrase et on va essayer de découvrir le phonème ON. Donc, suivez les enfants. Les enfants jouent au ballon rond. Les enfants jouent au ballon rond. Ici, nous avons le mot ballon et le mot rond. Vas-y, répétez. Ballon, rond. Ballon, rond. Après, nous avons extrait la syllabe long et la syllabe rond. Long, rond, long, rond. À la fin, nous avons gagné le phonème étudié. C'est le phonème ON. ON, 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 ON. Vous êtes prêts les enfants? On va lire les étiquettes. Donc suivez. Mélan, mélan, mélan. Raton, raton, raton. Biberon, biberon, biberon. Balcon, balcon, balcon. Dindon, dindon, dindon. Maintenant, on va lire des mots contenant le phonème ON et on va essayer de découper les. Bonbon, bonbon. Melon, melon. Raton, raton. Salon, salon. Ballon, ballon. Bon, bon. Nous avons deux syllabes. La première syllabe bon et la deuxième syllabe c'est bon. La première, la syllabe bon est au début et la syllabe bon est à la fin. Melon. Nous avons ici deux syllabes. La première syllabe c'est me et la deuxième syllabe c'est long. Raton. Nous avons deux syllabes. La première syllabe c'est ra et la deuxième syllabe c'est ton. La syllabe ra est au début et la syllabe ton est à la fin. Sa long. Sa long. Nous avons deux syllabes. La première syllabe c'est sa et la deuxième syllabe c'est long. La syllabe long est à la fin et la syllabe ça est au début. Ballon. Nous avons deux syllabes. La syllabe pas est au début et la syllabe long est à la fin. Ici, nous avons des mots contenant le phonème en. Donc, essayez de lire avec moi. Ton, ton. Tonton, savon, savon, poisson, poisson, dindon, dindon, crayon, crayon, bouton, bouton, balcon, balcon, marron, marron, pantalon. Attention, ce mot contient trois syllabes. La première syllabe c'est pan, et la deuxième syllabe c'est ta, et la troisième syllabe c'est long. La syllabe pan est au début, et la syllabe long est à la fin. Et la syllabe ta est au milieu. À l'instant, on va écrire le phonème en. O, n, en. O, n, en. O, n, en. Donc regardez. En. Après, on va écrire des syllabes contenant le phonème étudié. Ne. En. Mon. Le. En. L'en. On, pan, de, on, ton, ve, on, vent, se, on, son. Ré, un, rond, bé, un, bon. Voilà. Donc ça, ce sont des syllabes contenant le phonème en. Essayez d'écrire à la maison comme ça. Et voilà votre exercice de cette séance. Bon courage les enfants!